Ouais, ça devrait être bon. Ouais, parce qu'en fait, j'ai dû avoir une mise à jour sur OBS et ça m'a déconnecté mes périphériques. Voilà. Je suis désolé. J'ai pas vérifié. Et là, ça marche mieux, là, tu m'entends mieux? Là, je les déteste comme dans Borderland. Donc je disais, donc je suis au retard. Voyons voir ce que je voulais faire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Réunion avec toute l'équipe de streamer, on a parlé de beaucoup de choses utiles, pas mal de choses inutiles. On a parlé du mieux de. Et plein d'autres. Comment vas-tu? Là j'ai commencé à 21h30 au lieu de 20h. Déjà de base je devais commencer à 21h parce qu'on était en réunion, donc la réunion s'est un petit peu éternisée. On a parlé de pas mal de choses qui pourraient être intéressantes à l'avenir sur la chaîne, des projets en cours que je ne dirai pour le moment. Thank you.
c'est pas vraiment là. Alors,
récupérer des points. J'ai déjà fait 3 points. Quoi ce titre à guicheur? C'est toi la guicheur? C'est fort. Là, c'est mieux. Non. Je baisse le jeu. Comme ça, c'est mieux. Aller chez Vulgrin pour la faux. Ouais, ouais, bah justement, je suis en train de récolter des. Comment ça s'appelle des âmes pour aller le voir tout à l'heure. Dès que j'ai. Dès que je trouve un. Comment ça s'appelle, un TP pour y aller. Arrive Jink.
faire des piafs à la con. Ah mais je peux pas les piffrer, c'est pas sûr. Ça me vient bien alors. J'aime bien ce genre de situation.
bah je suis coincé. Il y a des seuls, ouais, mais non, je peux pas. Ah, si. Non, non, je pense pas que je vais pouvoir. Hein. Il y a bien un tuyau ici. Là, il y a des seuls là-haut, mais je peux pas monter. On reporte les deux. Non, c'est pas possible.
Tu dois vers les rebords gris, clair. Tout petit doit avoir un rebord de terre juste en dessous, je pense. Bon, on va aller voir ça. Là ici. Ouais mais la dernière fois j'ai essayé de monter, ça va marcher. Voilà. Ah ouais, on commence. Je n'avais pas vu ce passage-là tout à l'heure. On va tirer un DR, ouais, c'est ça. J'ai vu un coffre ici, on va aller le récupérer. Ah bah un éclat de courroux, cool. Allez,
Ah, il m'a renvoyé le truc au fond. Putain, mais pourquoi tu vas te cramer?
j'allais sauter. Ah mais non, mais pourquoi je me prends deux fois les gars alors que... Le boss est pas si compliqué que ça en fait.
elle va prendre cher là. Elle va prendre cher. Oh putain. Ah bien, elle est comme ça. Elle est escalier dans la bâche là, c'est pas con. Pierre de vie. Cœur de lui. Samael a besoin de cet objet doté de puissance énergie obscure pour débloquer l'accès au trône noir. Ah bah voilà, un TP. J'allais voir Gunder d'abord si je peux aller. Bon. Ça fait deux en moins et il en reste deux. Tu arriveras peut-être à la tour. Et là, ce sera autre chose. Pour le moment, apportons ceci à Samael. Au revoir, cavalier. Tu aurais pu frapper, mais j'imagine que ce n'est pas ton genre, pas vrai? Que faites-vous ici? Drôle de question, vu que c'est toi qui t'es incrusté chez moi. Vous n'avez pas toujours été le marteau noir. Aujourd'hui, en exil, ermite, au milieu des tombes. Pourquoi? Quel a été votre rôle, Ultan? Cavalier, j'ai quelque chose pour toi. C'est un sacré truc, mais un peu trop délicat pour moi. Il te sera plus utile. Yes. Vous n'avez pas répondu à ma question, ancien. Peut-être bien que j'aime cet endroit, qu'est-ce que tu veux? Tu avais besoin de moi, et je t'ai aidé. Continue à me chercher des crosses et je vais finir par me fâcher. Est-ce que j'ai une tête à avoir peur de mourir, petit? Ce n'est pas de mourir que vous devriez avoir peur. Peut célériser avec arc et déceler l'ennemi grâce à ses munitions surnaturelles illimitées. Oh, c'est génial. On va plus se marcher avec le boomerang à la con. D'appuyer sur la gâchette pour vous laisser tirer. D'accord. Ah, il y a Vulgrin à droite. Ah ouais. Tu as donné à la manteau et une raie. En chemin, tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves les artefacts de la Légion, apporte-les-moi. Je saurai être reconnaissant.
Voilà, tu vois, regarde, j'ai des compétences, soit que j'ai rien appris depuis le début du jeu. Regarde, j'ai plein de compétences que j'ai rien appris. Bah voilà, la faux, je peux la prendre. Ce beau vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Passe la fausse là, c'est une belle arme ça. Directement de la dernière fois. Ce beau vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Voilà un excellent choix. Tu es tout aussi sage. Voilà un excellent choix. Voilà un excellent choix. Tu es tout aussi sage et que puissant. Ah ouais. Ouais, mais les artefacts. Ce beau vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Voilà un excellent choix. Ah bah voilà, des compétences que j'avais pas. Tu es tout aussi sage et que puissant. Voilà. Alors, voyons voir. Il est passé où mon pistolet? Je passe cette merde de boomerang moi. Voilà. Thank you.
l'autre côté. Si je me trompe pas. D'accord. Voilà. Oh non, j'ai pas envie de le tester, j'ai un des problèmes. Ça fait récupérer les âmes, les gardes ici, j'avais pas encore mon gant, je pouvais pas le faire. Maintenant, je peux passer par là. Pas les donner. Hein. Oh punaise, la possibilité encore une fois. Et là il a sauté trop tôt. Il a sauté trop tôt. J'ai bien voir. Hein. Ah,
quoi t'es-tu dit l'humble marchand que je suis? C'est encore déconnecté. Voilà, c'est reconnecté. Ah bah ouais, t'avais raison, il y a un coffre aussi. Merci. La planète doit être pratiquement fatiguée. Je vais l'éteindre. Ouais, je vais utiliser l'autre. J'achète un câble USB plus. Ah, c'est un autre. Dans le coin aussi. Je te mets au bord du... En galérant avec les anneaux. Entre Vulgrim et... Ah, ok, d'accord. Bah d'accord, mais faut que je fasse demi-tour alors.
là. Parler de ce truc là. Ah ouais, je l'ai vu. Mais en fait, j'arrive bien à me battre ici en fait. Faut faire la sauter correctement. Ouais, je vais sauter dans le vide. Et que je récupère au beau moment. Ah là, j'ai oublié de sauter. Ah putain, il m'a monté. Il m'a remonté dans le forêt. Ouais, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Je vais essayer. Petit et humble marchand que je suis. Adieu pour le moment. En quoi petit et humble marchand que je suis. Oh putain, j'ai encore oublié de sauter. Ah, je vais te faire plus de tranquille. Oh bah ça me...
ça m'en tranquille. En quoi peut-être l'humble marchand. Je perds la moitié de tous mes points de vie. Tant pis. Est-ce que tu t'es bien amusé? Guerre, île martoir, plumons les pigeons. Vous voyez un grand nombre de choses depuis votre prison, Samael. Il peut pratiquement rien me cacher, cavalier. Mon esprit sait tout, presque. Que pouvez-vous me dire sur l'ange Uriel? Ah, je croyais que les cavaliers étaient bien au-dessus de tout cela. Elle croit que j'ai tué Abaddon. Les gardiens des enfers vénéraient leur maître et chef déchu. Quant à Uriel, hein, aucun indice qu'elle le vénérait vraiment, énormément. Elle n'aura de cesse de vouloir retrouver le coupable. J'ai combattu le démon qui a tué Abaddon. Et il sera puni. Straga! Et le plus robuste des élus. Sans aucun doute, tu recroiseras sa route. Il tient sa puissance de la flèche de la tour, et il ne s'en éloigne jamais très longtemps. Avec tout ce que je t'ai appris, il y a peut-être une chance que tu t'en sortes. Quel cœur dois-je vous apporter, démon ? Le Stygian est le roi des anciens vers, qui sévissent dans le pays des cendres. Ce ne sera pas facile. Les vers se reproduisent bien dans ces contrées fertiles. Fertiles ? Fertiles avec la mort, la décomposition. Toute la zone en est couverte. Les cendres, démons. Et tu auras peut-être la chance. Il semble que des idiots de démons trouvent très amusant de capturer les vers. Et ils traquent d'autres créatures aussi. Les plus robustes s'affrontent ensuite. Dans de terribles arènes. Les démons cherchent à apprivoiser le Stygian, mais ils ignorent que dans ce monstre va le cœur sombre d'un des élus. Comment font les démons pour éviter les vers des cendres? Est-ce que tu connais les chronosphères? Un don des anciens. On dit que quiconque maîtrise la chronosphère peut maîtriser le temps, qu'il peut l'arrêter et même voyager dans le passé. Dans le futur. En effet, les anciens maîtres n'existent plus, mais les démons ont appris à se servir des sphères. Dans une moindre mesure, je peux au moins apprendre l'utilisation passive des chronosphères. Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être juste assez pour éviter les vers. Peut-être. Peut-être pas. De quoi peut-on être vraiment sûr, cavalier ? À part de notre propre parole, bien sûr. Bon, bah, on va aller faire ça. Alors, quoi, là ? Ah, bah, ouais. Ah d'accord, c'est une compétence. Je pensais que c'était un objet en fait. Comme comment ça s'appelle comme la corne.
m'occupe des bestioles là-haut. Alors dès que je vais arriver, je vais faire une courte pause pour aller aux toilettes. La route a séché. Est-ce qu'il y a une sauvegarde? Ah voilà, il y a la sauvegarde. Donc là, je vais faire une petite courte pause. Je vais aller faire un petit tour aux toilettes. La pressante se fait sentir. Hop, donc je reviens, à tout de suite.
Et me revoilà. C'est bon. De quoi dégueu? C'est toi qui es dégueu, Jink. Ah, ça fait du bien. Petite pause là. Petit room. Ah, puis ça tire maintenant. Allez, on récupère des points de vie. Bonsoir Egon, comment vas-tu? Ça se passe bien sur tes os. Ah. Encore des anges. Oula, ça c'est pas des vrais anges. Merde. J'ai pas assis ma touche. Ça va, ça avance bien. Le 2 juin, je vais essayer le PVP. J'ai hâte d'être le 1er juin. Être entre le 1er juin et le 1er juillet. Qu'est-ce qui se passe entre le 1er juin et le 1er juillet? T'es en vacances? Hop là, encore une artefact. C'est quoi de ça? Ce sera sûrement pour plus tard, ça. Je vais pas descendre de suite. Est-ce que je peux la porter? Ah ouais, je peux la porter. Ah, il y a Vulgrim derrière, c'est pour ça. En bas, il y a Vulgrim. Et nouvelle avancée chez Shadow. Ah, les nouvelles. Ok, d'accord. Ouais, un disque dur un peu plus gros et un deuxième écran. Ça serait cool. Parce que là, franchement, ouais, d'accord, tu peux faire tout tourner au maximum, tu roules en 1080 et tout.
Un nouveau CPU, nouveau système de stockage et d'autres trucs. Parce que là, concrètement, en fait, moi, je pense carrément abandonner Shadow parce que avec mon petit processeur de mon PC de base, je ne peux pas streamer correctement. Non mais tu vas me te mettre devant le bonhomme que je veux. Lui là. Saloperie. Aïe. Ouch. Et pourtant j'avais fait mon esquive. Voilà. Quitte à tomber sur une 1060, là j'ai vu des PC à moins de 1000 balles. Avec un i5 le 7400. Ok d'accord, c'est pas un cas, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ça. Bon, je vais voir. Ah, ok. Non. Ah, ça serait pour monter là, d'accord. Derrière à faire? Non, on dirait que non. Le temps de la transposition, ils vont nous doubler au minimum le nombre de cœurs de CPU. Ah ouais. Je peux descendre là. Je croyais que c'était ça puait l'arnaque, mais c'est bon, je peux descendre là. Et voilà. Voilà. Dépêche-toi bien. Est-ce que je peux pas faire autre chose?
Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et les nouveaux stockages, le nouveau système de stockage sera meilleur que les SSD. Ah ouais. Parce que je voulais me le prendre mon nouveau PC d'ici le début, d'ici le mois prochain quoi. Après ça m'ennuie parce que j'ai payé un abonnement pour un an, donc concrètement j'aurai je perdrais 30€ par mois quoi concrètement, mais bon. Bah, moi disons que moi le problème que j'ai c'est que mon PC déjà il est limite déjà pour faire tourner Shadow. Mon PC actuel. Ouais, voilà. Exactement. En quoi, putain ? Pourquoi je peux pas le prendre ça? Ah d'accord, c'est la faux. Moi j'ai un vieux i7-860 de presque 10 ans. Ah ouais quand même. Avec une GTX 770, il tient encore toute... Ben, moi j'ai un i5, le 2320. Donc pour te donner déjà la chose. Et j'ai une AMD 7700. Donc c'est encore plus faible que ta GTX 770. Et bah, après, je t'ai dit tout pour mon processeur. Donc, Autant dire que mon PC c'est du caca. Ah les serpents de sable, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Allez, avance! Oh la vache! Samael avait raison sur ses vers. Et le Stygian est censé être le méchant. Tu es rendu à quelle résolution là sur le retour? Ouais bah c'est pareil, j'ai mis l'encodage sur ma carte graphique. Ben, je crois, moi je regarde.
Oh la forêt d'ange, je ne l'ai pas vu. Ce que je voudrais, moi, c'est d'être un peu plus à l'aise là. Aïe. Ouais, en fait, ce serait peut-être cool que je mette mes. Non, c'est pas ça. Mes talons, ça serait peut-être bien, ouais. Ah mais oui, c'est pour ça que là j'ai trouvé un là moins entre moins de 1000 balles. C'était un i5 7400 je crois ou 7400, je sais plus, attends, je vais te le dire ça de suite parce que je l'avais tout à l'heure sur mes Alors non, historique pop, je crois que c'est celui-là. Alors attends, à moins que ce soit un autre, parce que j'étais pas loin de 900 balles celui que j'avais vu, non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Alors, c'est un i5 7400 avec 8 Go de RAM, 1 Tera, une 1060 avec 3 Go. Bon, 8-12-10 déjà dessus. Et puis voilà. Avec un écran en plus, un 24 pouces. Et vu que mes écrans commencent aussi à être un petit peu vieillots. J'ai vu ça sur rue du commerce. Non, c'était du 5 coeurs, il me semble. C'était marqué 5 coeurs. 4, 5 coeurs, 4, 4 coeurs. Que je dis pas de conneries. Oh putain, pourquoi je vais sur mes raccourcis moi? Alors hop 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 hop, historique. Ah, t'as le i7, mais en fait le problème du i7 c'était une 1050. 50, ça fait un peu léger quoi. Est-ce que je l'avais vu celui-là? Ah, voilà. Ah, voilà, c'était celui-là.
7400 SSD. Sinon, je vais chercher sur Google. Hein. Allez. Bah 4, le 7400, il a 4 cœurs. Tiens, hop, je te le mettrai de côté, je t'enverrai. Ah d'accord. Après tout, moi je m'y connais pas grand chose, hein. Moi tant que le truc. Oui, voilà, je mettrai sur la 1060 pour encoder. Exactement ça, je mettrai sur la 1060. Je continuerai à streamer sur du 720p, mais au moins, tu vois, je serai à l'aise pour jouer et puis streamer en même temps. Allez, on y retourne. Ça serait bien d'avancer un petit peu. Arriver dans le donjon au moins. Ah, j'aime pas ces bestioles là. Ah, puis ces électrices. Dégage toi. On va tous les attraper. C'est bien parce que pendant l'animation, tu prends pas de coups. Je t'enverrai le lien sur Twitch du. Bah attends, je vais te l'envoyer de suite. Du PC, comme ça tu pourras me donner ton avis. Alors, non, c'était pas celui-là que j'avais vu. Parce qu'il est quand même un peu cher. Bon, il n'a pas de SSD sur celui-là. Donc, c'était pas celui-là. Paf. Lui, il a un SSD. Ah, voilà, c'était celui-là. Si je me trompe pas. Ouais, c'était ça. Je te le revois à MP sur Twitch. Chuchoté. Pom. J'adore ce petit. Ah d'accord.
Ah, je me suis fait bouffer. En fait, c'est peut-être un 4 cœurs physique, en fait. Car avant, il me semblait que les i5 étaient des 2 cœurs physiques. Ah, tu vois, pour... en plus, tu vois, elle est pas si chère que ça comme PC. En plus, avec un écran, en 24 pouces. Là, j'ai regardé, en fait, j'ai cliqué sur le lien 20 fois. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi. Ça me reviendrait à 55 €, gros, arrondi centimes près par mois. 50 balles. C'est pas si cher que ça, 50 balles. Hein. Ouf là, chaud au cul. Lui va se faire bouffer. Hop là. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Je crois qu'il va invoquer des bestioles dégueulasses, ok. C'est 4 plus 4. Ok. Ah, mais même le plus récent, mais de toute manière, c'est rare que je joue au jeu. Comment ça s'appelle full, ah, alors, full configuration dans les streams. Pour justement, c'est pour éviter les. Les bugs que je pourrais avoir. Alors attends, où est-ce que je dois aller? Oh la vache! Je vais pas pouvoir y arriver là. Non. Ah bah si, je peux passer par là. Ouais.
Oh mais putain, mais quel abruti, vous voulez pas avancer là. Bah t'as des kits d'évolution? Tu vas sur matériel.net. Si je me trompe pas, sur matériel.net, tu tapes, tu regardes dans les composants, t'as tout en bas, c'est marqué composant gamer, t'as kit d'évolution et tu peux choisir par rapport à l'utilité. Non, c'est pas ça. Mais putain, mais quel con! Je fais comment pour monter là? Putain, faut vraiment que je me mette là, quoi. Mais putain, mais j'étais même pas au-dessus! Dégage. Monsieur Trompette Rouge. Sûrement avoir un truc à piquer ici. Ah. Oui. C'est sûr que c'est pas forcément donné. Thank you.
Ah, il y en a encore un là-bas. Putain, j'ai des bestioles. Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié que ça explosait à la gueule ce truc là. Non, ça m'aurait pété à la gueule. Ah d'accord, c'est juste là. Ok, ah non, je sais. Ah bah ça me l'a pété quand même. Maintenant faut que je descende le truc. Ouais, c'est bon que les énigmes sont assez logiques dans certains sens hein. Hop là. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus monter. Ah, c'est par là. Rien à faire du tout ici, je pense qu'il va falloir que je descende.
Mais non, mais ça, je l'ai déjà fait, ça. Je suis arrivé de là. Je me suis pas. J'ai fait mon parcours pour descendre jusqu'ici. Où j'ai dû sauter. Et là, du coup, je suis baisé parce que ça tombe trop vite. Ah non, c'est là. Oh putain, il était trop loin. Allez, on descend. Le chronomètre va se barrer. Voilà. Après, il fallait monter là. Voilà. Non, j'ai dit de lâcher. Voilà. Ça vise pas de remonter. Donc, on est passé de l'autre côté. Ah, je peux plus actionner la petite bidule. Ouais. Ok. J'aurais manqué quelque chose ici. Je peux pas monter tout. Hein. Attends, c'était quoi le truc? Ah, des trésors de Stig. Oh, mais ça, c'est la grosse bestiole, ça. Je vois pas comment faire pour avancer là. Encore coincé. Non, c'est pas ça. Nous devons trouver où les démons retiennent le stichion. Ouais. Et t'as pas la solution pour m'aider à cette énigme là? Ah, peut-être. Non, c'est pas ça. Non, je vais pas monter là-dessus. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau aussi.
Putain, mais quel abruti! Voilà. Ah bah voilà. Elle est tombée dans le vide. Ah bah voilà. Je pense que ce sera pour plus tard, ça. Là, déjà, il y a ça en bas. Allez, venez tâter de moi, grosse épée. Il veut pas monter là, il sait pas faire. D'accord. Des bestioles dégueulasses. Pas monter, voilà. Ok.
pas le pousser là. Ah non. Là, je viens de là. Oh, je voulais. Non, je peux pas le déplacer ailleurs que là. Eh cool, et des points de vie en plus. Je sais pas à quoi ça correspond ce truc là. Parce que concrètement, je pourrais pas y accéder. Oh putain, encore des anges. Le voilà ! Le cavalier approche ! Le voilà ! Et voilà. Moi, je voulais amener les anges ici. On va pas s'emmerder. On va se les faire comme ça. Il veut pas que je monte là-dessus. Ah, j'ai eu peur. Non, y a rien. Je
Ah, c'était pas mort. Putain de murène. Petit problème d'affichage au niveau des textures. D'accord, je suis juste à côté de l'entrée du donjon. Enfin, il y aura sûrement encore des énigmes à deux balles à faire. Ah, voilà. Ils vont sauter et ils vont se faire bouffer par la bestiole, c'est ça? Non? Sale pute. Déjà, je vais m'occuper de ces enfoirés là qui sont là. Ah bah c'est bon, elle aussi elle est morte. Ouais, ça fait trois fois que je me le dis. Hein. Bien, le pauvre idiot va se transformer en démon. Tu vas rien comprendre, mon pauvre. Ah ben... Aïe! Ah mais un peu... C'est des verrés, putain de plaies ces bonnes femmes là! Putain mais... Ah puis le système de look est vraiment mal fou! Tu peux pas vraiment cibler une personne! Regarde si je peux... Ah. Voilà, là j'ai raté mon esquive. Tiens, dégage maintenant. Mais putain, qu'est-ce qu'il me fait? Alors maintenant on va pouvoir rigoler.
J'ai rien dit. Et voilà, la porte s'est ouverte. Bon bah la sauvegarde est faite, je vais juste monter par les escaliers, me mettre devant la porte et puis m'arrêter là pour ce soir. Voilà. Donc le live ça termine sur cette ça se termine ici. Alors moi je vais faire quitter. Comme ça un petit peu de musique de fond. Donc là voilà. Donc moi je m'arrête là pour ce soir. Là il est déjà minuit. Un petit peu marre quand même, un peu fatigué. Quant à moi, je devrais revenir au milieu de semaine. Si je me trompe pas, je crois que je reviens jeudi. Est-ce que ça a été mis sur le planning, a été mis sur le Twitch oui, ça a été mis sur Twitch. Donc moi, je reviens jeudi toujours sur Darksiders en espérant qu'on pourra le finir assez rapidement. Lundi, vous allez retrouver Kaori sur du Dragon Quest. Code Trilly mardi sur du Satellite Rain. Jing va nous faire un peu d'horreur dans Obscure. Moi, jeudi, toujours sur Darksiders. Après, vendredi, c'est une soirée entre couilles. Il y aura Captain Claquette, notre nouveau streamer de la chaîne. Connaîtrez moi-même et Zoro sur du They Must Die Unchained. Puis la quotidienne du samedi, SSM Family Live. Par contre, moi je ne serai pas présent ce jour-là parce que je serai au travail. Je travaille de nuit, donc je ne serai pas là. Et pour le véritable stream officiel de Mr. Claquette alias Captain Barbos. Sera la dimanche sur du Rainbow Six Siège. Vous allez pouvoir le voir rager en direct. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao, bonsoir.